Yo les gens, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle review, review de l'épisode numéro 109 d'Arc 5. Et je ne sais pas si ça va s'entendre grâce au montage, mais je parle vraiment pas fort parce qu'il est 2h30 du mat, donc j'ai vraiment pas intérêt à réveiller ma mère qui est juste à côté. Mais j'ai envie de faire la review maintenant, donc je vous la fais, voilà. Donc si jamais c'est pas fort, c'est normal. Normalement au montage, etc., ça devrait bien se régler, donc, voilà, juste au cas où. Donc, la dernière fois, on s'en était laissé, avec l'obélisque Force, oui, avec l'obélisque Force qui était arrivé et qui disait qu'ils allaient battre Yuya, en tout cas les lanceurs en général. Et donc voilà, on s'en était laissé à là. Et donc, dans ce début d'épisode 109, au début, on a Allen qui décide de remercier Yuya. Il lui dit qu'il peut maintenant le considérer comme un allié vu qu'il l'a entre guillemets sauvé dans l'épisode précédent des sœurs Tyler. Donc il a un peu une dette envers lui, donc sur le coup il décide de lui accorder sa confiance en quelque sorte. Et donc il se sert tous les lancers présents, c'est-à-dire que on a donc Sawatari, Gonganzaka, Yuya évidemment, Shun, Allen et Sayaka. Ils se serrent la main, mais ils mettent les mains les unes sur les autres, un peu comme Théa ou Anzu, pour ceux qui connaissent la version japonaise de Yu-Gi-Oh! DM, la première génération avec Yugi, Kaiba et tout. Et bien c'est un peu comme ça, ils mettent tous la main les uns sur les autres et tout, et ça fait beaucoup penser à Théa, je trouve. Après voilà, peut-être que c'est juste moi. Et donc, évidemment, vous vous doutez que la fête ne va pas durer très longtemps, le truc du shonen, etc., c'est bien un mot de minute, mais ça ne plaît pas à l'obélisque Force qui se décide d'intervenir, et donc oui, ils arrivent, ils sont en haut d'un bâtiment, en ruine, évidemment. Et donc, en fait, ils sont trois membres, comme la dernière fois, quoi, face aux six lancers, ils sont six. Et en fait, Yuya, sur le coup, il dit aux autres de partir, de reculer. Et il propose juste à Shun de régler ça à 2 contre 3. Et voilà. Et Shun accepte. Et c'est assez bizarre parce qu'ils auraient pu être 3 contre 3, mais non. Non, ça veut pas. Bon, bah tant pis. Et donc, le duel commence. Le premier membre de l'Obelisk Force fait une polymérisation. Il invoque le Double Bite, c'est-à-dire le Hunting Gear Double Bite. C'est-à-dire le chien de... Enfin, je dirais surtout les noms jab, donc anglais. Comment dire, le chien de chasse double morsure, en gros, voilà. Enfin, si on veut, mécanique quantique. Voilà, c'est tout ce qu'il fait, il invoque juste le double bite. Voilà. C'est au tour de Shun qui invoque un Red Raptor. Vous savez, c'est un Red Raptor qui est de niveau 4, si je ne me trompe pas, oui sûrement, parce que vu l'exis qu'il va faire. Et qui a 1300 points d'attaque, qui est ouvert. Et je crois que c'est Vanishing Lanius, j'ai un doute, j'ai pas noté le nom, qui lui permet d'invoquer un deuxième s'il en a un autre dans sa main, puis un troisième, donc il en invoque trois comme ça, et il les superpose pour invoquer le Rise Falcon, ce qui active l'effet en fait du Double Bite adverse, qui place un compteur que j'ai renommé Rouage Acide, Mécanique Acide, on peut le dire en traduction, sur un monstre en fait qui a été invoqué lorsqu'un monstre, une fois par tour, lorsqu'un monstre a été invoqué normalement ou spécialement sur le terrain adverse, il peut placer un compteur mécanique quantique sur ce monstre. Voilà. Enfin, un compteur mécanique acide. Voilà. Et donc Shun, sur le coup, il active l'effet du Rise Falcon en fait pour augmenter son attaque. Vous savez, pour tous les monstres qui ont été invoqués spécialement, et ben, il peut augmenter son attaque par le même nombre. Mais à cause du compteur, en fait, au lieu d'attaquer, il est détruit avant même d'attaquer, en gros, ce qui ne détruit pas le Double Bite. Et du coup, en fait, Shun, il se sert de ça pour faire un combo avec une carte magique de Rank Up pour invoquer en fait le Blaze Falcon, qui lui peut attaquer directement, et il réussit hein, puisque le membre de Beast Force n'avait pas posé de carte, et donc en fait ça active son effet qui, je vous le rappelle, quand il inflige des dommages par une attaque directe, il peut détruire un monstre adverse, donc il détruit le Double Bite et il finit son tour en posant une carte face cachée. Voilà. Ensuite on a Gloria, enfin on a un petit plan, on en a plusieurs pendant l'épisode, mais j'ai préféré en noter qu'un seul. On a Gloria et Grace qui sont en fait avec Noro. Elles sont en train de regarder le duel en fait, et comment dire, en fait il y a deux phases en gros. Il y a Noro qui est là, il veut se dépêcher, enfin il veut vite que l'Obelisk Force détruise les lancers,
On a Gloria qui, elle, compte prendre sa revanche. Dès que, enfin, dans le cas où l'obélisque force se fait battre, ils comptent foncer direct après pour prendre leur revanche, les filles. Et de l'autre côté, on a Grace qui, elle s'en fout un peu de la revanche. Elle veut surtout revoir absolument Yuya, refaire son spectacle. Et donc du coup elle l'observe pendant tout le duel, elle l'observe très attentivement et c'est limite si elle veut l'encourager, vous voyez, alors que Gloria elle s'en fout, elle veut juste prendre sa revanche, et Grace elle est limite, elle veut l'encourager, c'est limite une pom-pom girl, elle le fait pas mais on sent que il y a une petite envie quand même, et je trouvais ça assez assez marrant et assez sympathique en soi. Donc voilà. Donc c'est au tour du deuxième membre de l'Obelisk Force qui lui aussi joue une bonne élimination, vous en doutez, mais pour cette fois-ci, pas invoquer le double bite, mais le triple bite, ou triple, comme vous voulez, enfin bref. Et il active une carte magique que j'ai renommée la double imitation mécanique antique, qui lui permet en fait de ramener deux monstres de son cimetière avec leurs effets annulés. Enfin, c'est pas vraiment de son cimetière en fait, c'est des cimetières. Enfin, du cimetière en tout cas, donc il peut se servir du cimetière de ses complices, on va appeler ça comme ça, et donc en fait il ramène le double bite qui a été détruit, ainsi que comment appeler ça, j'ai appelé ça un normal, mais vous savez c'est le chien normal le chien de chasse normal quoi, c'est le truc qui sert à la fusion quoi, et j'ai renommé ça en normal, donc si vous entendez normal c'est que je parle de lui. Donc il les ramène et il décide d'attaquer directement Yuya en fait, qui n'a absolument pas de monstre Yuya parce qu'il n'a pas encore joué et il a le droit parce que c'est un duel, en gros c'est une bataille royale, c'est pas un tag duel comme avec les sœurs où ils partagent le terrain etc, pas du tout, ce qui fait qu'ils peuvent attaquer Yuya directement et le faire en OTK, et c'est ce qu'ils comptent faire parce qu'en tout ça fait 4200 points d'attaque de ce que j'ai compris, mais Yuya s'en sort grâce à une action card une action card qui réduit qui termine la battle phase je crois, j'ai pas noté ça d'ailleurs, un petit peu con, et donc c'est à son tour à Yuya justement, il place ses deux magiciens habituels là vous savez en échelle pendulum de 1 et de 8 et donc il invoque spécialement 3 monstres, il invoque l'espèce alors en japonais c'est Frendonki, c'est enfin Frendonki je crois, c'est à dire l'âne, c'est l'âne intermate, enfin l'âne botartiste, vous savez, il y a une espèce d'âne, enfin pour ceux qui connaissent les cartes, et donc voilà, le Silver Claw et le Red Eyes, et donc voilà. Et donc il place sa fameuse catchphrase de le spectacle ne fait que commencer, tout ça et tout, et il décide d'attaquer le Triple Bite avec Silver Claw qui en fait, je vous rappelle son effet parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, au moment d'attaquer en fait, il fait augmenter l'attaque de tous les Intermates de 300 points, donc il passe à 2100, ce qui est assez pour détruire le Triple Bite, et il attaque le, comment dire, le chien normal, le chien normal qui a très peu de points d'attaque, je sais plus combien il a, avec l'âne, et pour finir, il détruit le double avec Odd Eyes qui active en fait son effet, enfin le double bite, il le détruit avec Odd Eyes qui active son effet en fait d'infliger des dommages doublés s'il affronte un monstre de niveau 5 ou plus, donc voilà, donc ça fait que le membre de l'obélisque force en question, il a presque été OTK, il lui reste 600 points de vie je crois, et donc il a presque OTK un membre, enfin OTK c'est one turn kill, c'est à dire ou HKO quoi, enfin c'est con parce que c'est pas des termes que vous pouvez comprendre peut-être, un KO en un seul coup quoi, enfin normalement vous savez vu le nombre de fois où j'utilise cette expression depuis le début d'Arcane, et donc le membre de Miss Force en fait lui dit qu'il est un peu con, il est même très naïf parce que il aurait dû OTK un des autres parce que les autres il en restait un en fait, il en restait un membre de Miss Force qui n'avait absolument aucun monstre. Et donc il aurait pu s'en prendre à lui et l'OTK facilement et il aurait été tranquille, ça aurait fait un adversaire à moins. Mais Yuya en fait il dit qu'il ne veut pas employer la même technique qu'eux en gros. Il veut essayer de leur parler plutôt que de les battre directement. Et l'Obelisk Force sur le coup il leur répond que ils ont reçu l'ordre de les exterminer, ils n'ont pas le temps de parler avec lui quoi, donc c'est inutile quoi. Et donc c'est au tour du troisième membre qui invoque un chien normal et il active son effet, vu qu'il y a un monstre sur le terrain adverse, il peut infliger 600 points de vie, d'accord, on vous rappelle que Yuya est quand même un petit peu, voilà, mais sur le coup, Shun le contre avec un piège qui enlève en fait les dommages s'il possède un Raid Raptor,
Et sur le coup, le membre de Obelisk Force, il active alors une carte magique nommée, enfin que j'ai renommée, la fusion de ferraille mécanique antique. En fait, ça agit comme la carte fusion miracle de Jaden dans GX, mais avec les Antique Gear. C'est-à-dire, pour ceux qui ne sauraient pas, la fusion miracle, c'est vous bannissez depuis votre cimetière, ou depuis votre terrain, je crois, aussi, mais pas depuis votre main. C'est depuis le cimetière et le terrain, vous pouvez faire fusionner des monstres en les bannissant, et voilà, tout simplement. Sauf que là, ils sont pas bannis, ils se font juste fusionner en fait depuis le cimetière, et donc en fait, il active encore une autre double imitation, pardon, qui lui en fait, qui lui permet de ramener les doubles et triples bytes des cimetières de ses compagnons. Puis il active en fait l'effet du chien normal qui peut les faire fusionner sans polymérisation en fait. Et donc il invoque le Chaos Giant, le fameux qu'on voyait dans la preview. Donc c'est assez voilà quoi. C'est le fameux Chaos Giant enfin qu'on avait vu qu'une seule fois hein, avec Denis, ou sinon on le voyait très souvent dans les flashbacks des traumatismes de Darslan en gros. En fait, au moment où il a invoqué le Chaos Giant, il commence déjà à moitié à détruire le terrain, la ville et tout, tellement il est imposant, mais comment dire, c'est pas volontaire, c'est pas par exemple il balance des rayons laser, etc. comme d'hab. Non, c'est juste qu'en fait il est très gros et ils sont dans un espèce de stade, et du coup, ça détruit en gros le stade, et voilà tout simplement. Mais ça le détruit plutôt bien en fait, et sur le coup Sayaka en fait elle le voit et elle repense à ce qui s'est passé et tout, à ce fameux jour, tout ça et tout, et elle est totalement prise de panique, elle est traumatisée et elle s'enfuit en fait en hurlant de peur tout simplement. Et en fait au moment où elle s'enfuit, il y a une énorme pierre qui menace de lui tomber dessus à cause du Chaos Giant qui détruit le terrain justement, mais Shun la sauve in extremis en perdant connaissance par contre en contrepartie après le sauvetage. Mais du coup vu qu'il perd connaissance, et bah, il n'est plus dans le duel, c'est à dire que son disque de duel s'éteint, et du coup bah, il vient se retrouve seul face aux trois membres de Obelisk Force, et sur le coup bah, c'est un peu drama parce qu'on se dit putain il est mort, il était comme ça comme je vous l'avais dit, et je vous rassure, non il n'est pas mort, il n'est pas mort, il va bien, les spoilers des archives prochains sont sortis, on sait qu'il y aura Shun, donc il n'est pas mort, voilà. Je vous dis pas les autres spoilers que j'ai vus parce que moi ça me hype beaucoup. Et je veux pas trop vous hyper, enfin c'est pas que je veux pas trop vous hyper, mais c'est que je veux pas vous spoiler trop. Mais voilà, pour vous rassurer, Shun n'est pas mort. Pour ceux qui voulaient sa mort, bah désolé. Et donc voilà, donc c'est un moment de drama en fait. Il y a tout le monde qui s'inquiète un peu pour Shun et tout. Et à ce moment là en fait il y a l'Obelisk Force qui décide d'attaquer Odaiz en se servant du Chaos Giant. Qui peut en fait, il peut attaquer tous les monstres sur le terrain. C'est assez broken. Et en fait, il décide donc d'attaquer Silverclaw après le Odaiz. Mais sur le coup, en fait, Yuya, pour ne pas perdre, parce que sinon il perdait, en fait, si parce que avec le Odaiz, il a perdu presque 2000 points de vie, en fait, c'est pas presque. Et s'il se faisait battre Silverclaw, il perdait le duel. Mais en fait, Yuya envoie un monstre depuis sa main au cimetière, ce qui active son effet, en fait, et les dommages tombent à zéro. Et du coup, l'Obelisk Force attaque, le membre d'Obelisk Force attaque avec le Chaos Giant, il attaque l'âne Intermate, là. Ce qui les ferait gagner, mais soudainement on a Kaito en fait qui se joint dans la bataille, qui se joint au duel tout simplement en activant une action card renommée la garde rapide tout simplement en fait, qui fait passer l'âne en mode défense, ne faisant ainsi pas de dommage à Yuya même s'il est détruit, voilà. Et en fait sur le coup il prend part au duel en fait, il s'introduit, donc il a la pénalité de 2000 points etc tout ça. Et donc c'est à son tour, il invoque une paire d'ailes chiffrées comme d'habitude, ainsi que deux autres, puis il en sacrifie une pour les monter niveau 8, il les superpose pour invoquer Galaxy Eyes, c'est la même chose que d'habitude, mais vous allez voir qu'il y a encore du changement. Il active en fait son effet pour prendre le contrôle du Chaos Giant et le passer en Galaxy Eyes, et il active deux cartes magiques continues, l'interférent chiffré qu'on connaît tous très bien, hein, et la diffusion chiffrée qui en fait... D'ailleurs, chiffré, petite parenthèse, chiffré, j'ai remarqué que la team synchro, quand ils faisaient les épisodes en VostFR, eux, pour les cyphers, ils mettaient cinétique, je crois, ou cybernétique, non, cinétique, je crois. Et sur le coup, j'ai pas très bien compris, mais peut-être que c'est moi qui me suis trompé, hein, peut-être que leur trad est meilleur, hein, peut-être, sûrement même.
Mais voilà, moi je. On sait jamais, c'est. Je veux dire, si des fois il y en a qui ont regardé la VostFR et qui ensuite viennent voir mes vidéos ou les trucs comme ça, voilà, il n'y a pas d'amalgame, comprenez bien de quoi je parle, tout ça. Et en fait, donc la diffusion chiffrée, comme je le disais, peut réduire les points d'attaque en fait d'un monstre ayant 3000 points d'attaque ou plus, et en fait l'autre monstre pourra attaquer 3 fois. Je sais pas si vous vous rendez compte du niveau de brokenitude que c'est. C'est-à-dire cette carte, encore une fois, ça prouve que Kaito est un putain de dueliste. Et c'est juste génial. Et je sais pas. C'est encore une carte broken qui est très bien utilisée au bon moment. Je sais pas, je trouve ça beau. Et en fait, vu que l'interférence chiffrée augmente les points d'attaque à 6000, donc, bah du coup, il peut attaquer avec 6000 points d'attaque les 3 qui n'ont quasiment aucun monstre, voire même totalement aucun monstre, je crois. Et bah du coup bah triple OTK quoi en gros, enfin même s'il y en a un qui lui restait 600 points de vie quoi, mais voilà, vous m'avez compris. Et donc Kaito a battu les 3 membres de Beast Force, mais il décide de ne pas les éliminer en fait. Il s'approche d'eux comme s'il voulait les éliminer avec son disque duel tout ça et tout, mais il ne le fait pas, il décide de ne pas le faire finalement. Et donc Gloria se dit en fait, de son point de vue, elle se dit qu'alors que ça y est, c'est le moment, c'est à eux d'intervenir, il faut prendre leur revanche tout ça et tout. Mais tout d'un coup, il y a plein de soldats d'Academia qui arrivent, mais vraiment très rapidement, pour les empêcher de partir. En fait, ils les encerclent à moitié. Ça les empêche totalement de partir, les Lancers. Et Aster se trouve avec eux, en fait, pour dire qu'il va personnellement se charger d'envoyer Yuya 6 pieds sous terre, ou dans sa tombe, comme vous voulez. Enfin, en gros, il compte vraiment éliminer Yuya. Et ça y est, Aster est là, il veut prendre sa revanche. Voilà. Et donc, l'épisode se termine comme ça. Et donc, la preview nous montre que Yuya et Aster vont s'affronter en étant à moitié attachés l'un à l'autre en fait. C'est-à-dire, ils sont attachés avec un espèce de fil pour ne pas qu'ils s'enfuient. Et ça rappelle un petit peu comment. Bah, ça rappelle en fait, si vous voyez, il y avait une carte piège, je crois, ou magique, je sais plus, que Kaito avait utilisé contre Gon Gazaka et Sawatari, où ils étaient un petit peu tous les trois enchaînés et tout. Mais c'est pas du tout pareil, parce que là c'était juste une carte magique et tout. Là ça a vraiment l'air d'être un effet hors du truc, parce qu'on voit vraiment qu'ils sont vraiment attachés l'un à l'autre, mais vraiment attachés, mais pas que par une carte, enfin, c'est pas que genre pour des dommages ou des trucs comme ça, ils sont vraiment attachés. Et du coup ça fait vraiment penser à la technique qu'utilisaient les exécuteurs pardon, dans Yu-Gi-Oh! 5D, ou dans Fight 10 comme vous voulez, mais moi je dis 5D. C'est-à-dire en fait les exécuteurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, pour empêcher que leur cible s'enfuit, ils avaient un espèce de gadget en dessous de leur disque de duel qui faisait un espèce de gros. Enfin, en gros, ça attrapait le disque de duel de l'autre et comme ça il ne pouvait pas s'enfuir. Et du coup, voilà. Et ça fait beaucoup penser à ça. C'est pas du tout la même couleur, ça n'a pas l'air d'être du tout la même forme non plus. Ça, après, on n'a pas trop vu, mais parce que c'est rouge et c'est pas gris, c'est pas genre un câble, c'est gris, c'est rouge là. Mais voilà, ça fait beaucoup penser à ça. Et on a également dans la preview, on a également un flashback. Enfin, on aura sûrement un flashback qui va expliquer en fait l'histoire et un duel entre Yusho et Aster. Donc ça va être vraiment intéressant à voir, parce qu'on va vraiment comprendre pourquoi Aster déteste à ce point Yusho, je pense. Ah oui, et info qui peut s'avérer importante, le duel se fera en 2 épisodes. Voilà. Pour ceux qui ne le sauraient pas, au cas où, le duel se fera en 2 épisodes, voire peut-être même en 3, mais je suis pas sûr. Mais je sais qu'il fera 2 épisodes. Donc voilà, juste soyez avertis. Voilà. Et bah voilà, je ne sais pas trop ce que j'ai d'autre à dire. Qu'est-ce que j'ai pensé de l'épisode? En soi, j'ai plutôt bien aimé. Il y a juste un petit bémol, je trouve, c'est que je trouve que l'Obelisk Force n'a pas été très, je dirais pas utile, mais c'est-à-dire que d'habitude, quand il y a un épisode avec l'Obelisk Force, il y a tout le temps moult drama, il y a tout le temps beaucoup de badassitude, il y a vraiment plein de choses, et c'est vraiment un épisode complet. Là, j'ai trouvé que l'Obelisk Force n'était vraiment pas complète dans cet épisode, qu'il y avait vraiment, je sais pas, un espèce de petit manque. Je suis resté sur ma faim au niveau de l'Obelisk Force, mais sinon l'épisode était très bien, ouais. L'épisode était très sympa. Ah oui, et ça, très important les amis, enfin du moins pour ceux qui sont restés, j'espère vraiment que vous êtes restés, parce que là c'est une annonce capitale. L'annonce a été faite, comment expliquer ça? Arc 5 a été confirmé, enfin ça a été confirmé plutôt, que Arc 5 allait se finir
au mois de mars ou d'avril 2017. Voilà, ça a été confirmé à l'heure où je vous parle, samedi ou dimanche, bah non, pas dimanche, bah, vendredi, je crois, vendredi soir, ça a été confirmé. Et donc voilà, c'est. Voilà, ça fout un coup au moral et on se dit putain, il reste une quarantaine d'épisodes quoi, donc ça va faire 150 épisodes comme les autres. Et moi je trouve ça un peu. Enfin, j'aborderai le sujet dans une autre vidéo, je pense. Je préfère pas m'étaler maintenant, mais voilà, ça fout quand même un coup parce qu'on se dit putain, on y est bientôt, mine de rien. Dans moins d'un an, c'est fini et ça fout un petit peu un coup au moral, mais bon, voilà. On a encore du temps, voilà, faut profiter. Et donc voilà. Donc bah, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous aura plu. Et puis bah voilà, rendez-vous à. Est-ce qu'il y a. Non, il n'y aura pas d'XYZ cette semaine non plus, c'est la semaine prochaine, je crois. Donc oui, c'est la semaine prochaine, le début de la ligue. excusez-moi, un petit peu trop de hype. Et donc rendez-vous la semaine prochaine donc pour épisode 110 Dark 5. Où il y aura Aster contre Yuya. Voilà. Des bisous!